Les médias de l'assainissement sont l'arme du gang des généraux pour continuer à rabaisser le peuple algérien. Au milieu de la guerre acharnée entre les généraux, et au milieu de ces crises économiques et sociales, et autant des guerres médiatiques sur la prise de conscience du peuple algérien, et avec le grand nombre de changements, vous avez lu par hasard les gros titres des journaux des généraux pour découvrir que les problèmes et les revendications des citoyens ont été marginalisés, Égypte et Afrique, sous les titres retentissants « La Mamra détient les clés du conflit libyen. Tebboune redonne à l'Algérie sa grande place. Un complot international pour exclure l'équipe nationale. Point. Pendant des années, les cercles décisionnels en Algérie ont œuvré pour appliquer complètement les conseils de Chomsky en distrayant le peuple et en orientant l'opinion publique vers des problèmes marginaux et circonstanciels et en les transformant en un centre d'attention populaire, dans lequel les dissidents se sont battus jusqu'à la vulgarité. Après cela, la mentalité de troupeau est-elle toujours en Algérie? La réponse est oui. C'est une grande déception de voir des sujets qui ne sont pas censés être prédominants dans la presse et ne sont pas censés être au centre des questions des jeunes, car vous devinez des questions plus élevées et beaucoup plus conscientes discutant de la façon dont nous pouvons renverser le régime corrompu des généraux, par exemple, mais lorsque vous avez fini de parcourir les journaux des généraux et de regarder leurs chaînes pour effectuer des recherches. À propos d'un paragraphe qui parle du conflit en cours entre les généraux, il faut vraiment une bonne interaction et une bonne discussion. Mais vous ne voyez pas tout cela, de sorte que les problèmes de criminalité et de prostitution reviendront au premier plan de l'attention des jeunes. Et à la fin, si les jeunes et les étudiants en particulier ne quittent pas le cercle de la mentalité de troupeau, les généraux à travers le larme des médias continuera d'asservir le peuple algérien. H. Stéphie pour Alger Team.